Quand il avait 9 ans, Robert et son ami d'enfance Mike n'ont pas été invités à la maison de bord de mer d'un camarade de classe parce qu'ils étaient des enfants pauvres. Robert est rentré à la maison et a demandé à son père comment devenir riche. Et la seule réponse qu'il a obtenue a été « Tu dois apprendre à gagner plus d'argent ». Même enfant, Robert a compris que ce conseil ne l'aiderait pas à devenir riche. Le père de Robert, que Robert appelle son père pauvre, était enseignant et gagnait bien sa vie, mais il a toujours eu des difficultés financières. Voyant à quel point Robert et son ami Mike étaient déterminés à apprendre à gagner plus d'argent, le père de Robert, le père pauvre, leur conseille d'aller parler au père de Mike, que Robert appelle son père riche. Robert et Mike sont tous deux très surpris car le père riche n'est pas encore riche. De plus, il n'avait jamais terminé son année de quatrième, mais dirigeait plusieurs entreprises prospères. Néanmoins, ils sont allés rencontrer le père de Mike. Le jour de la rencontre, il leur a demandé s'ils étaient prêts à apprendre à gagner de l'argent. Ils étaient enthousiastes et ont rapidement hoché la tête. Il leur a alors fait une proposition. Il leur a dit qu'il leur apprendrait à gagner de l'argent, mais pas dans une salle de classe. Il ne leur apprendrait que s'ils travaillaient pour lui. Selon lui, ils perdraient leur temps s'ils voulaient simplement s'asseoir et écouter comme à l'école. Ils pourraient apprendre plus vite s'ils travaillaient pour lui. Robert voulait poser une question, mais il ne leur en a pas laissé l'occasion. Il a dit que s'il ne pouvait pas prendre une décision décisive, alors il n'apprendrait jamais à gagner de l'argent. Les opportunités vont et viennent, et être capable de savoir quand prendre des décisions rapides est une compétence importante. Il savait qu'il devait prendre une décision. Robert et Mike se sont regardés et ont tous deux accepté l'offre. Le père de Mike était heureux et a dit qu'il les paierait 10 centimes de l'heure et qu'il travaillerait 3 heures chaque samedi. Même si Robert avait un match de softball ce jour-là, il a choisi de travailler et d'apprendre au lieu de jouer. Il savait que c'était sa chance et il ne voulait pas la gâcher. Robert et Mike ont donc commencé à travailler pour Madame Martin, qui était une employée du père de Mike et qui s'occupait d'un petit supermarché. C'était le genre de magasin où les gens achetaient des produits de première nécessité, comme le lait, le pain, le beurre et les cigarettes. Le seul problème était que les magasins n'avaient pas de climatisation, donc, ils devaient garder les portes grandes ouvertes sur la route et le parking, ce qui signifiait que la poussière tourbillonnait et se déposait à l'intérieur chaque fois qu'une voiture passait. Leur travail consistait à retirer les boîtes de conserve des étagères, à les brosser avec un plumeau pour enlever la poussière, puis à les ranger soigneusement. C'était un travail ennuyeux et abrutissant. Ils travaillaient 3 heures chaque samedi et étaient payés 30 centimes, ce qui n'était pas très excitant pour eux, car une bande dessinée coûtait 10 centimes à l'époque. Ils le faisaient parce qu'ils voulaient apprendre à gagner de l'argent, mais après 3 semaines de travail, Robert était prêt à abandonner. Il se sentait comme un esclave, travaillant pour seulement 10 centimes de l'heure, et il n'avait même pas vu le père de Mike depuis la première rencontre. Alors, à l'heure du déjeuner, la quatrième semaine, il a dit à Mike qu'il arrêtait. L'école était déjà assez ennuyeuse et il ne voulait plus perdre ses samedis à faire ce travail, il en avait marre. À sa grande surprise, Mike s'est mis à sourire et a dit que son père s'attendait à ce que cela se produise. Il avait dit à Mike de le rencontrer quand Robert serait prêt à arrêter. Cela a mis Robert en colère, mais Mike a dit que la façon d'enseigner de son père est différente de celle des parents de Robert. Il n'aime pas faire la morale et utilise l'expérience comme moyen d'enseignement. Robert a accepté de rencontrer le père de Mike le samedi suivant pour l'écouter. Même son vrai père était en colère contre le père de Mike. Le père pauvre de Robert lui avait conseillé d'exiger une augmentation d'au moins 25 centimes par heure et de démissionner s'il ne l'obtenait pas. Lorsque Robert est arrivé chez Mike, il a dû faire la queue pendant 45 minutes avant que le père de Mike n'apparaisse enfin. Frustré et en colère, Robert a dit au père de Mike qu'il n'avait pas respecté sa part du marché. Il avait promis de lui enseigner s'il travaillait pour lui, mais il n'avait pas tenu sa promesse. Robert l'a accusé d'être cupide et de ne pas respecter ses employés. Il a demandé à Robert si enseigner signifiait parler ou donner une conférence, et Robert a répondu par un hochement de tête. Le père riche lui a dit que la vie est le meilleur professeur de tous et que la plupart du temps, la vie ne vous parle pas. Il explique que la vie nous bouscule souvent pour nous apprendre quelque chose. Certaines personnes se laissent pousser par la vie
tandis que d'autres se défendent contre les mauvaises choses, comme leur travail, leur patron ou leur conjoint. Mais seules quelques personnes accueillent la poussée de la vie comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Le père riche a dit qu'il avait plus de 150 employés, mais qu'aucun d'entre eux ne lui avait jamais demandé de leur enseigner l'argent. Ils ne cherchaient que des emplois et des salaires, sans jamais vraiment comprendre le but de leur travail. Cependant, lorsque Mike lui a dit qu'ils voulaient tous les deux apprendre à gagner de l'argent, Père Rich a décidé de créer un programme qui reflétait des expériences réelles. Il les a payés à peine 10 centimes de l'heure, ce qui les a d'abord mis en colère, mais il leur a expliqué qu'il voulait qu'ils fassent l'expérience de la pression de la vie pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il essayait d'enseigner. Lorsque le Père Rich demanda à Robert ce qu'il avait appris en travaillant pour un salaire aussi bas, il s'est plaint de sa cupidité et de son manque de respect pour ses ouvriers. Il a même menacé de démissionner si son père riche ne le payait pas davantage ou ne lui enseignait pas plus. Le père riche a expliqué que la plupart des gens feraient exactement ce qu'il suggère, démissionneraient et chercheraient un emploi mieux payé. Cependant, cela ne résout généralement pas leurs problèmes. Il voulait que Robert comprenne qu'attendre une augmentation, en pensant que plus d'argent résoudrait ses problèmes, n'était pas la solution. La solution est de faire travailler l'argent pour vous. Robert commençait lentement à comprendre la leçon que le père riche essayait d'enseigner. Le père riche a demandé si Robert avait toujours la passion d'apprendre. Quand Robert a répondu oui, il lui a dit qu'il fallait arrêter de le payer pour le travail au magasin. Robert est confus, il est venu pour une augmentation, mais maintenant il va travailler gratuitement. Le père riche lui dit que s'il veut gagner plus d'argent, il doit utiliser sa tête et trouver une solution. Robert et Mike ont travaillé gratuitement pendant 3 semaines. Un jour, le père de Mike est arrivé et a emmené les garçons dehors pour manger une glace. Le père riche leur a demandé s'ils avaient déjà appris quelque chose. Ils ont répondu non. Le père riche leur a dit qu'il ferait mieux de se dépêcher et de commencer à penser à la leçon qui les regarde. Pour expliquer la leçon, il a demandé aux garçons de regarder Madame Martin et les gens dans le parc et de se demander si la vie qu'ils mènent leur semble excitante. Ils travaillaient dur pour peu d'argent toute leur vie, s'accrochant à l'illusion de la sécurité de l'emploi et attendant avec impatience des vacances de 3 semaines par an et peut-être une pension après 45 ans de service. Le père riche leur a demandé si ce genre de vie les excitait et était prêt à leur offrir une augmentation de 25 centimes par heure. Leur cœur bat la chamade et ils savent que cela représente beaucoup pour eux, mais ils refusent quand même. Voyant leur résistance, le père riche a augmenté son offre à 1 euro de l'heure, puis à 2 euros. Chaque fois qu'il a augmenté son offre, le cœur de Robert a commencé à exploser et son cerveau l'a poussé à accepter l'offre. Il savait que 2 euros de l'heure auraient fait de lui l'enfant le plus riche du monde. Il ne pouvait pas s'imaginer gagner autant d'argent. Il voulait dire oui. Il s'imaginait un nouveau vélo, un nouveau gant de baseball et l'adoration de ses amis lorsqu'il montrerait son argent. Mais d'une manière ou d'une autre, sa bouche est restée fermée. Le père riche regardait 2 garçons qui lui faisaient face, les yeux grands ouverts et le cerveau vide. Il les testait. Et il savait qu'une partie de leurs émotions voulait accepter le marché. Il avait compris que chaque personne avait une partie de son âme faible et nécessiteuse qui pouvait être achetée. Et il savait que chaque individu avait aussi une partie de son âme qui était résistante et ne pouvait jamais être achetée. Il s'agissait seulement de savoir laquelle était la plus forte. Il a donc fait une offre finale de 5 euros de l'heure. Soudain, l'expression des enfants a changé et leur regard vide s'est transformé en calme. Ils ont senti leur tentation disparaître dans la seconde. Ils ont senti que la partie de leur âme qui était faible et nécessiteuse était réduite au silence et prise en charge par une partie qui n'avait pas de prix. Le père riche a dit que c'était bien qu'il n'ait pas de prix. La plupart des gens en avaient un parce que leurs vies sont contrôlées par la peur et la cupidité. La peur d'être sans argent les fait travailler dur et gagner un salaire. Mais une fois qu'ils ont cet argent, l'avidité les fait penser à toutes les choses qu'ils pourraient acheter, ce qui les fait avoir besoin de plus d'argent, ce qui les fait dépenser plus et travailler plus. C'est ce que le père riche appelle la course au rat. Mike a demandé s'il y avait un autre moyen, et le père riche a dit que oui, mais que peu de gens le connaissaient. Mike voulait savoir ce que c'était, et le père riche a dit qu'ils l'apprendront en travaillant avec lui sans être payé. Mike a demandé un indice. Et le père riche a répondu que la première étape était de dire la vérité. Lorsqu'on lui demande quelle vérité, il répond qu'il s'agit de ce qu'ils ressentent et qu'ils doivent se l'avouer à eux-mêmes, pas aux autres.
Le père Rich a exprimé des doutes quant à la capacité des personnes qui travaillaient pour lui à confesser leur vérité. Au lieu de cela, ils ressentent la peur de ne pas avoir d'argent et réagissent de manière émotionnelle plutôt que logique. Ils n'affrontent pas leurs peurs et leurs émotions contrôlent leur cerveau. Ils travaillent pour gagner de l'argent en espérant que cela soulagera leurs peurs, mais ce n'est jamais le cas. L'argent gouverne leurs émotions et leurs âmes, mais ils refusent de reconnaître cette vérité. Le père riche les a exhortés à éviter ce piège, affirmant qu'être riche ne résout pas le problème. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a présenté l'autre émotion clé, le désir. Il est courant que les gens désirent des choses meilleures, plus belles ou plus excitantes. Ils travaillent souvent pour l'argent parce qu'ils pensent que cela les rendra heureux, mais le bonheur que procure l'argent est de courte durée. De nombreuses personnes riches sont en fait motivées par la peur, pensant que l'argent les sécurisera. Cependant, ils finissent par avoir peur de tout perdre, ce qui les rend plus anxieux que lorsqu'ils étaient pauvres. Les émotions contrôlent souvent nos pensées et la peur peut nous amener à prendre des décisions qui ne résolvent pas le vrai problème. Par exemple, lorsqu'une personne a peur de ne pas avoir assez d'argent, elle peut penser que la seule solution est de trouver un emploi. Mais en réalité, un emploi n'est qu'une solution temporaire à un problème à long terme. Il est important d'apprendre à penser par soi-même et à ne pas laisser nos émotions nous contrôler. Le père Rich a dit qu'il a vu de l'espoir lorsque les deux garçons ont accepté de travailler gratuitement. Ils ont également fait le premier pas en résistant à leurs émotions lorsque le père Rich les a tentés avec plus d'argent. Ils apprenaient à penser en dépit de leur charge émotionnelle. Il leur a dit de continuer à travailler et que plus vite ils oublieraient le besoin d'un salaire, plus facile serait leur vie d'adulte. Il les a encouragés à continuer à utiliser leur cerveau, à travailler gratuitement, et bientôt, leur esprit leur montrera des moyens de gagner de l'argent bien au-delà de ce qu'ils pourraient jamais leur payer. Ils seraient capables de voir des choses que les autres ne verraient pas. Dès qu'ils verront une opportunité, ils la verront pour le reste de leur vie. Les garçons ont suivi les conseils du père riche et ont rapidement vu une opportunité dans la création d'une bibliothèque où les enfants pourraient payer un droit d'entrée et lire autant de bandes dessinées qu'ils le souhaitaient. Ils ont engagé la petite sœur de Mike comme bibliothécaire en chef. Elle fait payer 10 centimes à chaque enfant pour entrer dans la bibliothèque. C'était une aubaine pour les enfants puisqu'une bande dessinée coûtait 10 centimes chacune et qu'ils pouvaient en lire 5 ou 6 en 2 heures. Mike et Robert ont gagné en moyenne 9,50 € par semaine sur une période de 3 mois. Ils ont payé sa sœur 1 € par semaine et lui ont permis de lire les bandes dessinées gratuitement. Ils ont dû fermer la bibliothèque au bout de 3 mois à cause d'une bagarre, mais ils avaient déjà appris à faire travailler l'argent pour eux, même s'ils n'étaient pas physiquement présents. Ils avaient appris la première leçon, à savoir que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils étaient prêts à en apprendre davantage et le père de Mike était prêt à leur enseigner. Leçon numéro 2. Pourquoi enseigner l'éducation financière ? Lorsque les gens demandent à Robert par où commencer pour devenir riche, il leur donne la même réponse que son père riche lui a donnée. Si vous voulez être riche, vous devez avoir des connaissances financières. Par exemple, la comptabilité est un sujet ennuyeux, déroutant, mais absolument crucial pour la réussite financière. Pour la rendre facile, le père riche a utilisé des images et un langage simple pour l'enseigner aux deux garçons. L'une des premières choses que le père riche explique à Robert et Mike est la différence entre un actif et un passif. Il a dit « Si vous voulez être riche, la seule chose que vous devez faire est d'acheter des actifs. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour devenir riche. » Mais bien que ce soit si simple, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Lorsque le père riche l'a expliqué pour la première fois à Robert et Mike, ils ont pensé qu'il plaisantait parce que le concept était si simple. Comment les adultes ne peuvent-ils pas comprendre ça? Tout le monde ne devrait-il pas être riche? Le problème est que la plupart des gens ont été éduqués différemment par des banquiers, des planificateurs financiers et autres. Ils doivent donc désapprendre ce qu'ils pensent savoir. Et à cause de cela, ils achètent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Robert utilise des définitions simples pour l'actif et le passif. L'actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche et le passif est quelque chose qui retire de l'argent de votre poche. Voici le schéma de flux de trésorerie d'un actif. La partie supérieure du diagramme est un compte de résultats. Il mesure les revenus et les dépenses, les entrées et les sorties d'argent. La partie inférieure du diagramme est un bilan.
Il est censé équilibrer l'actif et le passif. Les actifs augmentent votre revenu. Ils mettent de l'argent dans votre poche. Par exemple, si vous avez une maison et que vous la louez, c'est un actif, parce qu'elle met de l'argent dans votre poche chaque mois. Et voici le schéma de flux de trésorerie d'un passif. Un passif vous prive d'argent. Si vous voulez être riche, vous devez éviter les dettes et acheter plus d'actifs. Grâce à ces diagrammes simplifiés, vous pouvez facilement voir comment chaque personne gère son argent. Robert dit que souvent, les personnes endettées pensent que la réponse à leurs problèmes est de gagner plus d'argent. Mais non seulement l'argent ne résout pas toujours les problèmes, mais il peut les aggraver. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui reçoivent une manne soudaine, par le biais de la loterie ou d'un héritage, la dépensent rapidement. Une augmentation de l'argent liquide n'entraîne qu'une augmentation des dépenses. Ce qui manque à tant de gens, c'est une éducation financière. C'est la raison pour laquelle ils peuvent finir par réussir dans leur profession, mais avoir encore des difficultés avec l'argent. Ils ont peut-être appris à gagner de l'argent, mais pas à le gérer. Les gens peuvent être très intelligents et pourtant être analphabètes en matière de finances. Ils ont appris à travailler dur pour gagner de l'argent, mais pas à faire travailler leur argent dur pour eux. Beaucoup de gens croient encore que leur maison est un actif, mais Robert enseigne qu'une maison est un passif, car elle vous prive d'argent par le biais des impôts et d'autres dépenses. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez jamais acheter une maison. Vous pouvez le faire, bien sûr, mais assurez-vous d'acheter d'abord des actifs qui généreront le flux de trésorerie nécessaire pour payer la maison. Robert dit que si vous voulez devenir riche, tout ce que vous devez faire est d'acheter plus d'actifs générateurs de revenus, de maintenir vos dettes et vos dépenses à un niveau bas. Et quand saurez-vous que vous avez déjà assez de richesses? Robert utilise la définition suivante de la richesse. La richesse, c'est la capacité d'une personne à survivre tant de jours à venir. Ou, si j'arrêtais de travailler aujourd'hui, combien de temps pourrais-je survivre? Une autre façon de le dire, la richesse est la mesure du flux de trésorerie de la colonne des actifs par rapport à la colonne des dépenses. Lorsque vos actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir vos dépenses, vous êtes riche, même si vous ne l'êtes pas encore. Leçon 3. S'occuper de ses affaires. Un ami de Robert a entendu Ray Kroc, le fondateur de McDonald's, parler à l'Université du Texas en 1974. Par la suite, Ray a accepté de rejoindre les étudiants dans leur lieu de rencontre préféré pour boire quelques bières. Il a demandé aux étudiants dans quel secteur ils travaillaient. Ils ont d'abord ri, puis ont répondu qu'il s'agissait bien sûr de vendre des hamburgers. Mais Ray leur dit qu'il n'est pas dans le secteur des hamburgers, mais dans celui de l'immobilier. Il savait que le terrain et l'emplacement de chaque franchise étaient les facteurs les plus importants de son succès. Aujourd'hui, McDonald's est le plus grand propriétaire de biens immobiliers au monde, possédant certains des carrefours et des coins de rue les plus précieux du globe. Il y a une grande différence entre votre profession et votre entreprise. Souvent, Robert demande aux gens « Quel est votre métier ?» et ils répondent « Oh, je suis banquier !» Puis il leur demande s'ils sont propriétaires de la banque, et ils répondent généralement « Non, je travaille là-bas !» Dans ce cas, ils ont confondu leur profession et leur entreprise. Leur profession est peut-être celle de banquier, mais ils ont toujours besoin de leur propre entreprise. Tant de gens travaillent pour tout le monde, leur employeur, le gouvernement pour les impôts et la banque pour l'hypothèque. Ce que Ray Kroc et son père riche savaient, c'est le secret numéro 3 des riches, occupez-vous de vos affaires. Ne pas passer sa vie à travailler pour quelqu'un d'autre. Trop de gens passent leur vie à s'occuper des affaires de quelqu'un d'autre et à le rendre riche. S'occuper de ses affaires ne signifie pas créer une entreprise, bien que pour certaines personnes ce soit le cas. Votre entreprise doit plutôt tourner autour de votre colonne d'actifs et non de votre colonne de revenus. Gardez votre emploi de jour, mais commencez à acheter des actifs réels et non des dettes qui perdent leur valeur dès que vous sortez du magasin. Maintenez les dépenses à un niveau bas, réduisez les dettes et construisez avec diligence une base d'actifs solide. Les parents doivent enseigner cela aux jeunes avant qu'ils ne quittent leur maison, afin qu'ils comprennent ce qu'est un véritable actif et qu'ils ne se retrouvent pas piégés dans un style de vie endetté. Selon Robert, les véritables actifs entrent dans la catégorie suivante. Les entreprises qui ne nécessitent pas sa présence, il en est le propriétaire, mais elles sont gérées ou dirigées par d'autres personnes. S'il doit y travailler, ce n'est plus une entreprise, cela devient son travail. 2. Les actions. 3. Obligations. 4. Biens immobiliers générateurs de revenus. 6. Les redevances de la propriété intellectuelle comme la musique et les brevets. 7.
Tout ce qui a de la valeur, produit des revenus ou s'apprécie et a un marché prêt à l'emploi. Acquérir des actifs que vous aimez. Robert aime l'immobilier et passe donc une grande partie de son temps à y réfléchir et à en acheter. Si vous n'aimez pas l'immobilier, n'investissez pas dans ce secteur. Même lorsqu'il travaillait pour Xerox, Robert s'occupait de ses propres affaires. Il a gardé son travail de jour et a lentement construit sa colonne d'actifs. Plus il comprenait la comptabilité et la gestion de trésorerie, plus il était à même d'analyser les investissements et finalement de créer sa propre entreprise. Il ne recommande pas aux gens de créer une entreprise à moins qu'ils n'en aient vraiment envie. Dans le cas contraire, il leur conseille de garder leur travail quotidien et de s'occuper de leurs affaires, construire et maintenir une colonne d'actifs solide. Au fur et à mesure que les liquidités augmentent, vous pouvez vous offrir des luxes, mais seulement si les liquidités le permettent. Constituer la colonne d'actifs et laisser les revenus générés par ces actifs payer les luxes. Lorsque les actifs génèrent suffisamment de revenus pour couvrir les luxes, c'est à ce moment-là que vous pouvez les acheter. Leçon 4. L'histoire des impôts et le pouvoir des entreprises. Beaucoup de gens voient Robin des Bois comme un héros, prenant aux riches et donnant aux pauvres. Le père riche ne partageait pas cette opinion. Il qualifie Robin des Bois d'escroc. Bien que le sentiment populaire soit que les riches devraient payer plus d'impôts et donner aux pauvres, en réalité, c'est la classe moyenne qui est fortement taxée, en particulier la classe moyenne supérieure éduquée. Pour comprendre comment cela se produit, Robert fait un bref historique des impôts. En Angleterre et en Amérique, à l'origine, il n'y avait pas d'impôts, seulement des prélèvements occasionnels et temporaires pour payer des choses comme les guerres. En 1874, l'Angleterre a fait de l'impôt sur le revenu un prélèvement permanent sur ses citoyens, et en 1913, l'Amérique a rendu l'impôt sur le revenu permanent. Ces pays ont réussi à faire accepter les impôts par la majorité parce qu'ils n'étaient d'abord prélevés que sur les riches. Cependant, bien que l'impôt sur le revenu ait été conçu pour punir les riches, il a fini par punir ceux qui avaient voté pour lui, les pauvres et la classe moyenne. Le père riche explique que lui et le père pauvre sont opposés. Le père pauvre, en tant qu'employé du gouvernement, était récompensé s'il dépensait de l'argent et embauchait des gens, faisant ainsi grossir son organisation. Mais pour le père riche, moins il embauchait de personnes et moins il dépensait d'argent, plus il était respecté par ses investisseurs. Le père pauvre croyait sincèrement que le gouvernement devait aider les gens. Pour Robert, c'était un défi de travailler pour l'un des plus grands capitalistes de la ville et de rentrer chez lui avec un éminent chef de gouvernement. Ce n'était pas facile de savoir quel père croire. Mais avec le temps, en étudiant l'histoire des impôts, Robert a vu une perspective intéressante. Au fur et à mesure que l'appétit du gouvernement pour l'argent augmentait, les impôts devaient bientôt être prélevés sur la classe moyenne, et de là, ils ne cessaient de diminuer. Mais les riches ont vu une opportunité car ils ne jouent pas selon les mêmes règles. Les sociétés, devenues populaires à l'époque des voiliers, offraient un moyen de contourner les impôts. La compréhension de la structure légale des sociétés a donné aux riches un avantage considérable et leur a permis de se montrer plus malins que les intellectuels. Une société est simplement un document juridique qui crée une entité juridique. Ce n'est pas vraiment une chose, ni une usine, ni un groupe de personnes. Mais elle offre un taux d'imposition sur le revenu inférieur à celui des individus. C'est pourquoi la plupart des personnes riches de la planète ne paient pas d'impôts ou ne paient qu'un très faible pourcentage de leurs revenus sous forme d'impôts. Les tentatives de punir les riches fonctionnent rarement, car les riches trouvent des moyens de minimiser leurs charges fiscales. Leçon 5. Les riches inventent l'argent. Notre esprit est le bien le plus important. Si vous le formez correctement, vous pouvez gagner des millions à partir d'une simple idée ou d'un accord. Si vous augmentez votre intelligence financière, vous commencerez à voir des choses que les autres ne voient pas. En d'autres termes, vous commencerez à inventer l'argent. Par exemple, au milieu des années 1990, l'économie de l'Arizona, aux États-Unis, était terrible. Alors que la plupart des gens étaient effrayés et avertis du crash économique, Robert et sa femme, Kim, ont gagné beaucoup d'argent. Robert donne l'exemple de l'achat d'une maison de 75 000 euros pour 20 000 euros. Il devait mettre 2 000 euros comme acompte, mais il ne les avait pas. Alors, ils ont demandé à un ami de leur prêter 2 000 euros contre une commission de 200 euros. L'ami a accepté, et pendant que l'achat était en cours,
Robert a publié une annonce annonçant la même maison de 75 000 euros pour seulement 60 000 euros et n'exigeait aucun acompte de la part des acheteurs. Dès que la maison a été légalement à lui, il l'a vendue en quelques minutes. Et les 40 000 euros ont été créés presque à partir de rien. Temps de travail total, 5 heures. Ce que cet exemple simplifié illustre, c'est comment les idées peuvent créer des centaines de milliers de dollars si vous améliorez votre intelligence financière et voyez ce que les autres manquent. Robert dit, les marchés montent et descendent et les investissements vont et viennent. Le monde vous offre toujours des opportunités de vie. Vous devez simplement être capable de les voir. Plus vous développez votre intelligence financière, ce qui prend du temps, plus les opportunités qui s'offrent à vous sont nombreuses. De nombreux changements sont à venir dans notre monde, et développer votre QI financier vous permet de voir cet avenir de changement à travers la lentille de l'excitation et non de la crainte. Vous verrez les opportunités et agirez en conséquence, contrairement à ceux qui laissent leur peur les maintenir sur la touche en regardant les autres avancer avec audace. Par exemple, la terre était une richesse il y a 300 ans. Plus tard, la richesse était dans les usines et la production. Aujourd'hui, la richesse réside dans l'information. Mais l'information circule dans le monde à la vitesse de la lumière, et ce processus sera de plus en plus rapide et spectaculaire au fil du temps. Leçon numéro 6. Travailler pour apprendre, ne pas travailler pour l'argent. Il y a quelques années, Robert a été interviewé à Singapour par une journaliste qui, au cours de leur conversation, a révélé qu'elle voulait devenir un auteur de best-seller comme lui. Mais ses romans, dont tout le monde disait qu'ils étaient excellents, ne se vendaient jamais. Robert lui suggère de suivre un cours de formation à la vente. Cela a offensé la journaliste, qui lui a dit qu'elle avait une maîtrise en littérature anglaise et ne voyait pas en quoi apprendre à vendre l'aiderait. En fait, elle déteste les vendeurs. Lorsque Robert lui a fait remarquer qu'il était un vendeur de best-seller et non un auteur de best-seller, elle a répondu qu'elle ne s'abaisserait jamais à apprendre à vendre et à quitter l'interview. Il y a des gens talentueux tout autour de nous qui luttent financièrement, tout comme ce journaliste. Pour reprendre les termes d'un consultant en affaires, ils sont à une compétence près de la grandeur. Quand il s'agit d'argent, la seule compétence que la plupart des gens connaissent est de travailler dur. Si cette journaliste suivait des cours de vente puis trouvait un emploi dans une agence de publicité, elle en apprendrait beaucoup sur la vente et pourrait ensuite utiliser ses connaissances pour vendre plus de romans. Lorsque Robert a publié son premier livre, If you want to be rich and happy, don't go to school, si vous voulez être riche et heureux, n'allez pas à l'école, un éditeur lui a suggéré de changer le titre en The Economics of Education. Mais Robert savait qu'un tel titre ne se vendrait pas. Bien qu'il soit en faveur de l'éducation, il a choisi un titre controversé parce qu'il savait que cela lui permettrait de participer à davantage d'émissions de télévision et de radio. Et ça a marché. Le père riche a encouragé Robert à apprendre un peu sur beaucoup de choses. C'est pourquoi Robert et son ami Mike ont travaillé dans de nombreux endroits en grandissant, afin d'acquérir une variété d'expériences. La plupart des gens travaillent dur pour obtenir un emploi sûr, en se concentrant sur le salaire et les avantages à court terme. Ce qu'ils devraient faire, c'est chercher un travail qui leur permettra d'acquérir les compétences dont ils auront besoin. Robert recommande une vision à long terme. Au lieu de travailler simplement pour l'argent et la sécurité, prenez un deuxième emploi pour apprendre une deuxième compétence. Beaucoup résisteront à cette idée, car ils ne seront pas prêts à changer. Mais c'est comme aller à la salle de sport. Vous devrez peut-être vous convaincre de commencer, mais vous serez tellement heureux de l'avoir fait une fois l'entraînement terminé. Le père pauvre voulait que Robert devienne spécialisé, même si ça n'a pas bien marché dans sa propre vie. Il n'a jamais compris que plus on se spécialise, plus on est prisonnier et dépendant de cette spécialité. Le père riche, quant à lui, a encouragé Mike et Robert à se former et à se familiariser avec de nombreux secteurs d'activité. Selon Robert, les principales compétences nécessaires pour réussir sont 1. La gestion des flux de trésorerie, 2. La gestion des systèmes et 3. La gestion des personnes. Et les compétences spécialisées les plus importantes sont la vente et le marketing. Robert travaille constamment sur ses compétences en suivant des cours ou en achetant des ressources éducatives pour élargir ses compétences. Leçon 7. Surmonter les obstacles. Les quatre principales raisons pour lesquelles les personnes ayant des connaissances financières ne parviennent toujours pas à développer un flux de trésorerie abondant sont les suivantes. 1. La peur. 2. Le cynisme. 3. La paresse.
et 4 les mauvaises habitudes. Examinons chacune d'entre elles. Surmonter la peur. Personne n'aime perdre de l'argent. Les seules personnes qui n'ont jamais perdu d'argent en investissant sont celles qui ne l'ont jamais fait. Tout le monde a peur de perdre de l'argent. La différence est la façon dont vous gérez la peur et la perte. La principale différence entre une personne riche et une personne pauvre est la façon dont elle gère cette peur. Robert dit « Je n'ai jamais rencontré une personne riche qui n'ait pas perdu d'argent. » Mais il ne laisse pas la peur de perdre les mettre hors jeu. La plupart des gens jouent pour ne pas perdre, alors qu'ils devraient jouer pour gagner. Et c'est pourquoi tant de gens ont des difficultés financières. Ils ont peut-être un portefeuille sûr, raisonnable et équilibré, mais ce n'est pas un portefeuille gagnant. Ils jouent pour ne pas perdre. Par exemple, un portefeuille équilibré n'est pas une mauvaise chose, mais il ne vous aidera pas à gagner gros. Ce n'est pas ainsi que les investisseurs prospères jouent le jeu. Vous devez être un peu déséquilibré au début et mettre vos œufs dans quelques paniers et vous concentrer sur eux. Surmonter le cynisme. Qu'il s'agisse de notre propre doute ou des doutes d'autres personnes dans notre vie, nous laissons souvent ce doute nous empêcher d'agir. Nous jouons la sécurité et les opportunités nous échappent. Robert partage l'exemple d'un ami qui était sur le point d'acheter une propriété d'investissement à un excellent prix, mais qui a fait marche arrière à la dernière minute lorsqu'un voisin, qui n'était pas un investisseur, lui a dit que c'était une mauvaise affaire. S'il était resté, il aurait doublé son investissement et aurait commencé à sortir de la course aux rats. Les doutes et le cynisme maintiennent la plupart des gens dans la pauvreté. Un père riche aimait dire « Les cyniques critiquent, les gagnants analysent. Les gagnants gardent les yeux ouverts et voient les opportunités que tout le monde a manquées. Par exemple, l'immobilier est un outil d'investissement puissant pour quiconque cherche l'indépendance financière. Pourtant, chaque fois que Robert mentionne l'immobilier comme véhicule, il entend souvent « Je ne veux pas réparer les toilettes » ou « Je ne veux pas avoir affaire à des locataires problématiques ». Il se concentre sur les toilettes et cela les maintient dans la pauvreté. Vaincre la paresse. Quel est le remède à la paresse? Un peu de cupidité. Cela peut être difficile à entendre car beaucoup d'entre nous ont été élevés pour voir la cupidité ou le désir comme une mauvaise chose. Plutôt que de dire « je ne peux pas me le permettre », changez votre état d'esprit en « comment puis-je me le permettre ?». Cela ouvre le cerveau et le force à penser à des solutions. « Je ne peux pas me le permettre » est un mensonge. L'esprit humain sait qu'il peut tout faire. En disant que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous créez un conflit entre votre esprit et votre esprit paresseux. « Comment puis-je me le permettre ?» crée un esprit plus fort et un esprit dynamique. Sans cette petite avidité, le désir d'avoir quelque chose de mieux ne serait pas possible. Notre monde progresse parce que nous désirons tous une vie meilleure. De nouvelles inventions sont réalisées parce que nous désirons quelque chose de mieux. Nous allons à l'école et étudions dur parce que nous voulons quelque chose de mieux. Trop d'avidité est mauvaise, mais un peu peut vous motiver. Surmonter les mauvaises habitudes. Pour réussir, vous devez prendre des habitudes qui marchent. Le père pauvre payait toujours les autres en premier et lui-même en dernier, mais il lui restait rarement de l'argent. C'était son habitude. Au contraire, le père riche se payait toujours en premier, même s'il était à court d'argent. Il savait que les créanciers et le gouvernement se plaindraient s'il ne les payait pas. Cela motivait le père riche à chercher d'autres formes de revenus pour les payer. S'il se payait en dernier, il ne ressentirait pas ce genre de pression productive. Le fait de se forcer à réfléchir à la manière de trouver un revenu supplémentaire pour payer les créanciers l'a rendu plus fort. C'est tout pour cette vidéo. J'ai résumé quelques autres livres de Robert Kiyosaki. Si vous êtes intéressé, consultez la playlist que vous voyez sur votre écran. Merci de votre attention. À bientôt !